Bonjour. Bienvenue dans la suite de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Quel est son challenge? Avec 11 vies récentes. On est parti pour... Je me suis dit dans un premier temps, aller là. Voir la balise. Parce que je sais plus ce que c'est la balise. Peut-être la tour. Alors est-ce qu'on ne devrait pas passer par là? Certainement. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Parce que je vous avoue que j'ai bien envie de passer par le pont là. Juste histoire de scout le pont. Mais bon. On va faire ça du coup. Ah oui, non, d'accord. Ça, on l'avait déjà vu, je m'imagine. Ok. Tac. Bon, les récompenses. Je fais les récompenses amiibo quand je peux. Et du coup, bon. Comment dire. Si c'est des flèches, voilà, je vous montre pas. Donc là, j'ai vu des flèches de feu, je crois, d'ailleurs, la dernière fois. Ouais, je crois que c'est ça. Comment ça, j'ai pas d'arc? Yes. Yes. J'ai un poil peur de cette zone, quand même. Mais là, il y a une tour. Sauf que j'ai plus rien. Ouais. C'est pas la tour que j'ai balisée non plus. Qu'est-ce que j'ai balisé? Il est où mon truc vert? Il est là-bas. Quoi il me sert? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit un pont, on voulait passer par un pont. Ouais, il est là le pont. Ils ont tous volé. Saloperie. On va éviter de griller l'endurance plus qu'il ne le faut. Grand pont d'Akala. Voilà, il y a sûrement un Korogu qui se cache. Enfin, un, voire deux, voire 12. Mais, genre là. Ah ouais, là, c'est sûr. Là, s'il n'y a pas un Korogu, je comprends pas. Alors, évite de rester là-dessus. Ça passe, ça. Ouais. C'est bon. Nickel. Bon, visiblement, le son, ça allait, en fait. Ce que j'avais... ce que j'avais écouté. Non, c'est quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je vais là? Qu'est-ce que... Non. Yes. Bon, allons piller le coffre ici. Et ensuite, on va viser. Il y a un coffre là. Non, il y a juste des sbires. Ouais, mais... Ouais, non, mais ça, je pourrais pas le... Si. Oh non. Non, non, non. En fait, tant que l'autre me repère pas, ça me va. Hein. Mais non, mais... Yes. Oh, ça commence bien. Ridicule. Ah, mais j'ai plus rien pour me rendre de la santé. Ça, le problème, en fait. Le vrai problème, il est là. Ouais. Oh, il m'a mis trop cher. Faut que je me soigne. J'ai de la viande au pire. Il est où? Et ouais, mais lui, l'eau, c'est son élément. Mais Link, fais pas n'importe quoi. J'en supplie. Mais non, mais... Non mais il veut pas parer hein. Ah ouais mais ça sert à rien. Tu veux pas faire autre chose de ta vie? Genre venir? Non, non, mais non.
tout le but c'était justement d'éviter ça. Il est où l'autre? Ouais. Mais au secours. Oh là là. Voilà. Oh le coffre. Ah, quel enfer. Masse perforatrice. Ah mais j'ai plus de place. Oh, attends. Super. Et on va prendre l'épée de légende, tiens. Allez! Merci. Allez, il faut quelque chose de ta life, quoi. Non, mais c'est bon, en fait. Au secours. Ça pour ça, hein. Mais bon. Ouais. Ouais, ouais. On prend cher tellement vite, c'est ça qui me fait peur en fait à chaque fois. C'est que j'ai vraiment l'impression que selon les ennemis, je vais vraiment pas avoir de marge d'erreur. Ou très peu. Mais bon. Est-ce que vraiment je suis en train de faire le chemin comme ça alors que je peux me TP là, par exemple? Ouais. Ouais. Okay. Feu allumé dans de l'herbe sèche se propage très vite. Ça, y a une différence au niveau de l'herbe? Vraiment? Alors, comment tu différencies l'herbe sèche de l'autre herbe? Vraie question. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors. La vraie question, c'est je suis où déjà ici? C'est quoi les bails ici? Parce que bon, on a débloqué du coup les épreuves de l'épée pour l'épée de légende. Mais je vous avoue, je vous avoue que. On va attendre un peu avant de les faire. Parce que c'est pas que le fait de les échouer, ça signifie faire un game over. Mais un peu quand même. Mais elle est où la tour là? Pas celle-là. Ah, elle est là-bas. Ok. Très bien, donc allons par là. Ah oui, mais j'avais dit sinon de faire des souvenirs. C'est ça à la base que je voulais faire à l'épisode d'avant. Ouais. On peut pas aller par là-bas. Oui, j'ai pris le réflexe d'utiliser le mode mode empreinte pour vérifier où on est allé, où on n'est pas allé. Mais après, c'est un réflexe que je m'étais fait de la chasse au Kurogu. Oh. Mais non, saloperie. Non mais tu la vois pas la libellule là? Non mais Link, fais un effort s'il te plaît, je t'en supplie. Bah ouais. Bah ouais. C'est insupportable. Bon, prends là, voilà. Non mais, stop. Là normalement on devrait rien craindre, je pense. En tout cas pas grand chose. Ah, quoique, il y a peut-être bien un Littoro qui doit se cacher dans le coin. Du coup, vu qu'on est dans des sources chaudes, notre vie qui remonte. Ça, ça fait plaisir. Non, mais remonte la vie. Voilà. Ah, un Korogu qui se cache là-bas. Incroyable. Oh les oiseaux. Oh les oiseaux.
Non mais... Non, Link, fais un effort, je t'en prie. Je t'en supplie. Merci. Bah ouais. Non mais, le pigeon, je m'en fous. Au secours. Allez, prends ça. Ah, on l'a déjà. Très bien. Mais non, non, non. Yes, il a des pop. Bon, on va en choper quand même un. Saloperie. Alors, le rocher, il est où? Il est où le caillou? Oh, il est là-bas. Ah, je peux pas... Ah! Alors, ça paraît logique en vrai. Mais je crois que j'avais jamais testé en fait de faire un cryonis sur l'eau. Ce qui fait que j'avoue... J'avoue avoir jamais souvenir d'avoir tenté ça. Donc, on peut pas cryonis quand c'est des sources chaudes. Ah. Yes. Par contre là... Là on s'emmerde. Là, il faut que je trouve le chemin. L'eau n'est pas assez profonde pour que je plonge. Pour l'instant ça passe. Et là ça passe. Ouais. Ouais ouais ouais. Oui. C'est tout ça pour un Korogu. D'ailleurs, j'ai découvert des nouvelles des énigmes Korogu, je connaissais pas. Incroyable mais vrai. Aïe 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 aïe. Un Korogu en particulier J'avoue, j'ai regardé quoi. Parce que je savais où il était, mais... Enfin, j'avais le masque qui faisait bip-bip, quoi. Mais bon. Et en fait, certains Korogu impliquent d'avoir un cheval. Tout simplement. Non, mais non, mais non. Link. Pris si cher. Est-ce que je vais vraiment par là? Ouais, visiblement. Hein. Visiblement, c'est la voie que j'ai choisie. Non, mais pourquoi? Oh, on s'en fout. Ça. Yes. Plutôt sympa cette montagne. Allez. Là il va tuer l'ennemi. Voilà. C'est bon, tout s'est bien passé. Ouais, ça vient. Ok. Mais non, mais... Bon, tant pis. Tant pis pour la dernière, je l'ai chouchou. Ok. On continue de monter. Je sais pas pourquoi je regarde ma map alors que j'ai pas la, je trouve pas la map. Il me faut la tour. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. T'as pas besoin d'escalader, Link, arrête. Arrête de faire ça. Oh l'autruche. Oh l'autruche. On l'a déjà en photo. Terrible. Bon, par contre, on n'avait pas dit qu'il y avait une tour pas loin. Insiste un peu, j'avoue. D'accord. Bon, l'avantage, c'est que la tour est pas très 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 haute. Enfin, tu montes plus la montagne que la tour, quoi. Salut. Mais non! Je faisais que passer.
c'est vrai. Je rigolais. Là, il y a un archer. Super. Bon, il n'y a pas qui me touche. Mon bien personnel. Bon, non, pas besoin de Revali. C'est ça notre dernier pouvoir de Revali plus tard. Quoique là, hein. Ouais, là, c'est bien. Mais non, mais. Ah, on descend pas tous. Tac. Comme ça, moi, on n'utilise pas la jauge d'endurance jaune et je peux quand même faire mes sauts. Let's go. La carte de la zone a été enregistrée. Yes. Ok. Du coup, on a la montagne de la mort qui est enregistrée et la map qui commence à prendre un ensemble. Légèrement. Qu'est-ce que... Bon, non, ça, on a des trucs là-bas. Mais nous, il faut qu'on aille là. Ok. Bon, on a le chemin qui est par là, hein, qui mène tout droit. On doit avoir sûrement des sanctuaires en chemin. Donc, analysons. Il y a le château d'Hyrule là-bas. On a une autre tour là-bas. Ça va, le sanctuaire, on l'a fait. Le problème, c'est que je vois pas trop de sanctuaires. Le problème, c'est que... Là-bas, c'est louche quand même. On va dire que là-bas, c'est louche. Par contre, j'ai peur d'un truc. Mais on a la tour. Dans tous les cas, on a la tour, donc c'est pas grave. Ouais, voilà. L'air est brûlant. Vous allez subir des dégâts si vous restez dans cette zone. Est-ce que j'ai un plat? Non, bah non. Bah non. D'accord. Donc moi je suis allé là-dedans. Est-ce que par là il peut y avoir un sanctuaire? Ça me paraît proche de là. Non mais en vrai, il faut que je puisse faire de la cuisine quoi. Les gens font ça. Ensuite, on fait ça. D'accord. Voilà, la limite se fait ici. Au moins, on sait. Au moins, on est au courant. Ouais, salut. Hein. Et là, on redescend. Bon, pardon, on était monté. Mais... On va aller plus par là. En fait, j'aimerais bien trouver une marmite. Le truc, c'est qu'il faudrait sûrement que je retourne au relais. Oh, un goron. Oh, un gardien. Non, mais... Au secours. Je voulais pas déranger toute la faune, moi. Non, par contre, le gardien, il me repère. Je suis mal. Mais... Ok, le champion, là. Ouais, le gardien à pion, là, aussi. Salut. Nous, on n'est pas des monstres, camarades. Tiens, c'est pour te remercier. Un remède Ignifus. Ce remède de niveau 1 empêche votre corps de prendre feu lorsque les températures grimpent dans les extrêmes. Impossible de s'en passer sur la montagne de la mort. Bah voilà, c'est exactement ce que je voulais. Merci, mec. Trop sympa. Hein. Tu devrais te faire attaquer plus souvent. Non, pas du tout.
Heureusement pour les autruches, elles ne sont pas. Les gardiens ne les attirent pas. Enfin les. Ouais. Les gardiens ne sont pas attirés par les autruches. Heureusement. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai ce truc. Mais c'est un lézard. Je crois que c'est un oiseau. Avec le rouge là. Ok. Je pourrais retourner dans la source qui serait très certainement bénéfique à mon nombre de cœurs. C'est ce qu'on va faire. Mais après. Ah non. Et là c'était des oiseaux. Juste 4 lézards ignifus. Mais non, pas du tout. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait se cacher par là? Ouais, non, il y a déjà un sanctuaire là. Ça paraît difficile. Hein. Ce serait bien de pas utiliser toute mon endurance. Truc de piment. Yes. Toujours pas récupéré toute ma vie. Hein. Voilà. Et par là, y a rien, mais y a pas vraiment rien. Ah, salut. Hein. Qu'est-ce que t'as? Non, mais Link, arrête. Une viande de life in. Petit lézard. Petit lézard. Petit lézard. Comment on en a? 8. C'est bien, mais pas assez. Allais-je dire. Non, mais avec ça en plus, non. Non, mais après. Après, je ne suis plus le même homme. J'ai l'épée de légende maintenant. On peut se le faire en vrai. En réalité, on peut et on va sûrement essayer de se le faire. Non mais... Détruis les pattes. Non mais détruis les pattes. Il est cassé? Non, il est toujours pas cassé. Il meurt. C'est bon. Ah. Voilà. Avec une arme qui fait des dégâts. Tout de suite, ça se passe bien. Du coup, on peut examiner un petit peu ce qui se passe ici. Pas les... Y'a rien à looter là. Ok. Bon, il se passe pas grand chose malheureusement, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un gros goût qui se cache dans le coin. J'ai un peu la flemme de mettre le masque, mais... Sers-toi de ma rage quand tu veux. Alors... Après, la vraie question... Non, mais il vaut mieux que je trouve un... Mais après, si ça se trouve, lui, c'est un marchand. Lui m'a donné son truc, mais je lui ai pas reparlé, moi, depuis. Attends, reviens ici. Ouais. Reviens ici, toi. Ces boules de feu qui pleuvent, je me demande si c'est bien naturel. En fait, j'en ai aucune idée. Ah, c'est l'heure de faire affaire. Regardons ce que j'ai en magasin. Charou. Vas-y. Il y a un bel assortiment de pièces. Non mais. Ça m'intéresse pas du coup. Ouais. Je suis pas passé par là, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce chemin? Je pense complètement. Le lézard! Voilà, on a scouté la map. Non mais on va aller stepper ou au relais je pense. Hein, hein voilà. Quoi qu'il est à côté. Non mais il est à côté.
serait abusé de se TP au relais alors qu'il est à côté quand même. Ah. Yes. Je suis content d'avoir tué le gardien. Juste avant la lune de sang. On a déjà vu la lune de sang. La lune de sang. Oui, voilà. Elle brille à nouveau cette nuit. Ah. Link, prends garde. Avec des ennemis de plus en plus vénères. Yes. Oh le lézard. Là on va faire une chasse au lézard là. Je veux pas prêt. Hein. Salut. Sapristi, vaut-il mieux voyager à pied ou à cheval? J'arrive pas à trancher. Admettons qu'il vaille mieux voyager à pied. Tu mieux commencer du pied droit ou du pied gauche? Ah, je rigole. J'ai cru que... Je crois que c'était une vraie question, hein, l'espace d'un instant. Ça va. Ok, on arrive au relais. Ok. On va pouvoir faire de la cuisine. Oh, salut Azarim. On a déjà dû lui parler ici. À partir du principe qu'on lui a déjà parlé ici. Salut. Non. Est-ce que vous avez des quêtes? Bonjour. Oh Terry. Oh, vous êtes encore venu rien que pour me voir? Oh, je suis tellement touché. Mais je suis désolé, personne peut avoir l'exclusivité de mon cœur, même pas vous. Il y a tout le monde. Cherchez-vous un article en particulier, monsieur client? Ou préférez-vous délester quelques objets? Ah, bah attends, les pièces. Les pièces, les flèches. Ouais, ouais. Ouais, 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 j'achète tout. Voilà. Là, on me donne la recette pour faire un remède Ignifus. C'est incroyable. Ok. Alors, les lézards. On va prendre deux. Non, on va en prendre trois. On va prendre ça et ça. À 10 minutes 30. Ok. Là j'en prends un. Et je blinde de ça. 9 minutes 10, d'accord. Donc voilà. Bon ça devrait... Ouais quoi que... Non. Non, le problème c'est que j'en ai que 3. Dont un de 3040, ce qui n'est pas suffisant. Si je fais ça, 9 minutes 50. On va en refaire un dernier. Mais avec ça. C'est garanti là. 7 minutes 10. Bon, c'est un bon début. Non, c'est là la tour. On va pouvoir se TP. Et on va pouvoir commencer à partir vers la montagne de la main, tout simplement. Je pense qu'on va faire ça, du coup. Par contre, je pense qu'on va pas rester beaucoup dans cette zone. Parce que ça risque de... Enfin, on va pas pouvoir rester très longtemps à chaque fois. C'est le problème. Parce que là, en caleçon challenge... C'est remède Ignifus ou juste je bouffe à outrance, quoi. Bon. Mon objectif, il est en face. Let's go. Ça commence direct. C'est directement parti. Alors attention. Le premier remède, 3040, on boit. Et c'est parti. Alors du coup, les flèches prennent automatiquement feu. Il y a d'autres propriétés comme la bouffe qui cuit automatiquement. Ça, on l'exploitera sûrement un petit peu. Miraculeux que je l'ai pas pris. C'est quand même miraculeux ça. Ok. Et on n'est pas sur le chemin. Hein. J'ai réussi à dévier du chemin déjà. Donc on va vraiment partir en mode rien à foutre. Je vais tout droit. J'utiliserai Valis si nécessaire. Attendez, est-ce que j'ai vraiment... Non, pas besoin maintenant. On va attendre un peu. Prenons de la hauteur avant.
Ok. Prendre encore plus de hauteur. Mon plus de hauteur possible. Ok. On peut monter encore plus haut, hein. En vrai, ouais, je serais pas mal de là-haut, je pense. Je pense que c'est pas mal comme point d'entrée. Comme angle d'attaque. Ok. Ah ouais, là on va être bien. Là, je pense qu'on est bien. Est-ce que... Bon, d'accord. Est-ce que je vais encore plus haut? Ouais, hein, on peut. Tant qu'on peut aller plus haut, allons plus haut. Mon remède fait encore effet pendant 2 minutes. C'est à la fois peu et potentiellement suffisant. Ok. Ok. Bon, ça y est. Ah non, c'est pas un sanctuaire, c'est des gemmes Nox. Ah, j'ai vraiment cru avec la forme que c'était un sanctuaire. Je pense qu'on est, bien là. Du coup, c'est plus par là. C'est quand même plus dans cette direction là. Là, je sais pas trop de quel côté j'attaque la montagne, mais... Mais je pense qu'on est bien. Moi, ça me va d'attaquer comme ça. Eh mais... Hein. Sanctuaire, hein. Pas moyen. Pas du tout. Je suis très déçu. Non mais... Oh! Mince. Mince, un sanctuaire. Ah mais, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Je crois qu'on devrait pas du tout être là. Oh, on va arriver du bon côté. Ah ouais. Non, non, mais c'est... Écoutez, ça, celle-là, je l'avais pas faite. De passer par là, dans la montagne de la mort, en premier. Oh, je... Non, mais pourquoi pas. Bon, par contre, bon, de toute façon, il va me rester 23 secondes. Durée de vol. Ok. Ah, voilà. Ok, il y a un coffre là. Je suis trop loin. Trop tôt. Mais... Au secours. Mais bon. Okay. J'imagine que quand ça... Ouais, ok. La vraie question, normalement j'ai le temps de faire ça. Ah! Ah! Faut que je fasse comme ça du coup? Comme ça, hein. J'aurais bien aimé pouvoir faire le grand saut, mais... Je suis pas sûr que c'était possible. Peut-être. En tout cas, ça s'est fait. Petit sanctuaire. Tranquille.
Bon, du coup, par contre, on n'avait pas... Voilà, on repasse à un emblème du triomphe. Qui nous en fait encore trois. Pour pouvoir améliorer notre endurance. Ça y est, on va pouvoir repartir sur l'endurance. Enfin, en vrai... Non, s'il serait bien d'avoir un tout petit peu plus d'endurance. Mais... De toute façon, on peut avoir que 3 barres max d'endurance, donc... Là, on est déjà relativement bien. Par contre... Voilà. Je brûle. Donc faisons ça. On laisse un pouvoir de rivalité. Attendons un peu avant d'utiliser. En vrai, même, je pense que je peux passer par là comme ça direct. Là, il doit y avoir un Kurogu là-dessus. Et d'autres joyeuseries d'ailleurs. Ouais. Nous sommes au village Goron. Sacré accueil, hein. Bienvenue. Hein. Bienvenue. Hein. Ah oui, mais oui, on y est vraiment. Je pensais que c'était au-dessus du pont, qu'il fallait traverser le pont. Mais non. Incroyable. On est chez les Gorons. Salut. Ah, j'ai que 3 cannes à sucre. On prend ça, on prend ça. Non, les flèches... Ah, ça avait des flèches simples, mais non. Ah oui. Alors lui va nous donner un tips. Bienvenue au Brasé Rock, gamin. Ici, tout est cuit à fleur de rock. Bien le bonjour. Alors, tu me veux quelque chose? Je fais des emplettes, ouais. Sérieux? Ça fait un bail que j'ai pas eu de client. En réalité, il fait tellement chaud au village qu'il suffit de poser la nourriture par terre pour la faire griller. Dès que les clients comprennent ce truc, en général, ils arrivent de venir. Alors surtout, n'hésite pas à te faire plaisir, prends tout ce que tu veux. Est-ce que je peux encore t'être utile? Ah mais c'est un peu cher quand même. Alors que c'est vrai que... Il suffit que je fasse ça, quoi. Alors par contre, faut pas trop la laisser griller. Effectivement, ça marche bien. Grumble. Tu te tiens devant la demeure de mon maître forgeron, Bratan. Un véritable virtuose du métal chez les Gorons. T'as besoin de quelque chose? C'est qui, Bratan? Maître Bratan est un véritable forgeron. Vénérable forgeron, qui a hérité de techniques anciennes. Il est extrêmement exigeant, autant avec lui-même qu'avec les autres. Il m'a demandé de débarrasser les environs du village des Magrocs. Qui rôdent. Mais je n'arrive pas à atteindre celui qui vit au lac d'Arunia. Oh, si seulement quelqu'un d'autre pouvait s'en charger à ma place. Yes. Là, là. Ouais. Le marteau en fer... Non mais il faut que... Faut que j'aille là. Je crois. Nom d'Arok. Mais quelle plaie ce Rudania. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que Rudania a fait des siennes, les éruptions de la montagne de la mort sont devenues plus violentes. Rudania, c'est la bestiole qui rampe sur le flanc du volcan là-haut. Il y a 100 ans,
Il paraît que c'était la divinité protectrice des Gorons. Mais maintenant, on peut plus miner tranquillement à cause de lui. Et en plus de ça, il fait fuir les touristes. On le repousse tant bien que mal vers le cratère du volcan à coups de canon à chaque fois qu'il en sort. Oui. Mais il remet ça à chaque fois. Aïe. Ça va? Oui, mes rats me font un peu souffrir. Mais attends une seconde, qui es-tu, Gringalé? Un voyageur, Juste comme ça. Alors comme ça, t'es venu jusqu'ici pour me saluer? Mon nom est Bouddho. C'est moi le craint et respecté boss des Gorons. Celui dont la seule vue inspire le silence au plus bruyant marmot. Je comptais me mettre en route pour repousser Rodania encore une fois, mais mes rats me font atrocement souffrir. Qu'est-ce qu'il fiche, ce bourre de Yunobo? On met du temps à rentrer. Yunobo? Yunobo, c'est un jeune Goron qui m'aide à repousser Rodania. Il est parti chercher des antidouleurs pour mes vieux reins, du côté de la mine abandonnée du Nord, mais il revient pas. Nom de nom d'un roc. Mais où est-ce qu'il traîne donc? Eh, Gringalé, si tu tombes sur Yunobo, dis-lui que je le cherche, d'accord? Très bien. Quête principale mise à jour. Ça qu'on veut. Du coup... Ah ouais, par contre, il me reste un pouvoir de rivalité. Mais il est où le... Ah bah ok, mon objectif est là. Hein? Comment ça, mon objectif est là? Attendez... Ah oui, non, ça, c'est... Voilà, parce que là, c'est l'endroit normal. Voilà, et ensuite, tu fais la boucle. Ok. Ouais. Tout est clair à présent. Tu peux monter plus haut? Superbe. Superbe. Oh, parce que je vais pas prendre le chemin normal, faut pas déconner non plus. Alors, je vais peut-être me faire d'autres remèdes. Mais bon. Voilà quoi. Faire d'autres remèdes, bon. Non, bon, on va passer par la statue. Yes. Il y a un Korogu sur cette statue, d'ailleurs. C'est à peu près sûr. Korogu parfois dans son enjeu. Ouais, voilà. Oh non, mais non. Il va me mener où, lui? Ah non. Bon, ok, ça marche. Ok, ça me va. Ouais. Ok. Donc c'est par là. Alors mon objectif il me dit que c'est là. Là c'est la mine abandonnée du Nord. Je veux dire... L'air s'embrase. Mais... Hein? Mais... Mais mon remède Ignifus... M'en faut un niveau 2? Je peux pas? Comment ça? Oh là là, il y a plein de gens qui passent aujourd'hui. Tu sais, il fait encore beaucoup plus chaud par là-bas. Il y a beaucoup plus de monstres, c'est très dangereux. Tu connais Yunobo? Non. Pourquoi un gars comme toi connaîtrait le petit Yunobo? C'est bizarre, je te connais pas moi. Le boss le cherchait. Non. Ah, le boss? Ah bah alors, tout de suite je vais te dire où il est. Yunobo m'a dit qu'il partait chercher des antidouleurs, il est parti en direction de l'entrepôt. D'ailleurs il est toujours pas revenu, il en met du temps. C'est très dangereux par ici, tu le sais. Je te déconseille fortement d'aller le chercher. T'as encore besoin de moi? Non. Mais par contre, je suis embêté, ouais. Là, je suis grave embêté, ouais. Parce que je pensais pas qu'il y avait un niveau 2, en fait. Let's go.
sais pas si mon anti-flamme il va me permettre de prendre moins cher, mais... Bah les pattes, c'est le canon du boss. Touche pas au levier, hein. Je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Ah mais si, j'aurais dû. Oh, si cher. Est-ce que je prends cher plus vite que la bouffe ne cuit? Qu'est-ce que je fais? Ah mais j'ai plus de vie. En fait, le problème c'est que... Je vois pas vraiment d'autre solution que de all-in comme ça. Bah si, en fait l'autre solution serait de me faire des remèdes, mais... Enfin des remèdes plus forts, sauf que je sais pas comment faire. C'est tout le problème. Et là, on va devoir passer là-dessus. Hein. Oh, j'ai pas grand-chose en vrai. Hein. Vite. Fais cuire la bouffe. Ouais, mais je peux pas en placer plus qu'un certain nombre. Vite. On va se refaire un peu de bouffe, encore. Ah voilà, là il y a un problème. Ah, par contre, attendez, si la bombe ne suffit pas... on va être embêté. On va être embêté. Ah, le remède d'Ignifus qui est inefficace. Je m'y attendais pas. C'est embêtant. Vite, mange. Oh merde, oh là là. Sors de là! Oh non! En plus, faut. D'accord. Normalement, c'est bon là. Ouais. Mais vite. Vite avant que je ne meure. Vite. Et va falloir que je vois comment on fait des antiflammes niveau 2. Hein. Vite, parle-lui. Vite, mets une cinématique, mets fin au scalaire. Ah, un monstre, ah, au secours, à l'aide. Non, vite. Mais t'es un Ilien. Ah, c'est toi qui as cassé le rocher. Merci, je te dois une fière chandelle. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Cherche Yunobo. Ah bon? C'est Buzz qui t'a envoyé me chercher? Merci infiniment de m'avoir sorti de ce pétrin. C'est moi. En fait, je m'appelle Yun, mais tout le monde m'appelle Yunobo. J'étais venu chercher les antidouleurs du boss, mais une boule de feu a fait tomber un rocher qui a bloqué l'entrée. Au fait, comment t'as fait pour détruire le rocher qui bloquait l'entrée? Avec le canon. Le canon du boss? Ce truc est tellement difficile à manier que seul le boss arrive à l'utiliser. Ah, c'est pas le moment de papoter. Faut vite que j'apporte les antidouleurs au village. Désolé, je dois y aller. Passe donc plus tard, salut le boss. Même s'il est pas toujours très courtois, il sait faire preuve de gratitude. Je suis sûr qu'il voudra te récompenser. A plus tard.
Ouais, salut. Vite. Non, non, les coffres. Link, les coffres. C'est pas le con. Bah ouais, tu brûles. Tu t'es éloigné des coffres. Je te déteste. Pourquoi j'ai plus d'endurance? Du flèche de glace. Ah mais... Alors attendez, Est-ce que si je fais genre... ça... Non, je brûle quand même. Alors, niveau arme. Est-ce que j'ai un truc dont je peux me débarrasser vraiment sans me sentir mal? Oui, le trident des glaces. Ok. Et là, là, le problème, c'est que le plus proche des Gorons, c'est ça, quoi. Je suis pas certain que ce soit le sanctuaire officiel, mais tant pis. Ok. C'est bon, on est sorti de cet enfer. Il va falloir que je vois comment on fait des remèdes niveau 2, moi. Parce que... Enfin, les remèdes Ignifus niveau 2. Ah, je pense savoir. Enfin, je pense avoir une idée. Mais je suis pas sûr d'avoir ce qu'il me faut. J'ai pas de papillon Ignifus. Bien ce qui me semblait. Alors non. Et on a dit que c'était... C'était là. Non, c'est où? C'est là. Mais du coup, je suis quand même intrigué sur le fait que... Enfin, je suis pas sûr que c'est vraiment le sanctuaire du village, ça. Ça paraît un poil loin. Mais bon. C'est peut-être le cas. Bon. Des minerais. Mais non, mais... Voilà pourquoi j'utilise mon endurance. Enfin, l'endurance bonus. Ouais, d'ailleurs, on peut faire ça, en vrai, hein. D'ailleurs. Non, peut-être pas la poêle végétale. Ah ouais, mais... Ouais. Yes. Après, en fait, j'ai des trucs enduro... Bon, trop de vie. Genre, les crêpes au miel, c'est super, mais... Vu le ratio en endurance vie que ça me rend, je sais pas. Sinon, ouais, non, mais la poêle végétale, c'est du gâchis. Bon. Enfin, ce serait du gâchis. D'ailleurs, j'ai... pas de plat qui me rende plus de cœur. Ok. On va aller te voir, mais la prochaine fois, toi, du coup. J'aimerais trouver une casserole. Alors, l'auberge, ouais, mais non. Là, ouais. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Ouais, elle est tenue, hein. Tenue qui pourrait être bien pratique. Hein. Y'a pas d'autres vendeurs? De toutes les contrées où j'ai voyagé, celle-ci est la plus chaude. Impossible de survivre sans remède Ignifus. Peint dans ce four est un calvaire. Le mieux que je puisse faire, c'est de pyrograver le paysage en ma mémoire. Alors, comment on se retrouve? Tu voyages encore? Je continue à arpenter nos belles régions. Qui sait, je peux peut-être te parler de mes destinations. Souhaite-t-on me montrer quelque chose? Ouais, tiens, ouais. Est-ce que t'as pas un souvenir... Ouais, voilà ça, là. Ah, je vois. On voit le château d'Hyrule, ainsi que la grande forêt d'Hyrule au nord. Si tu observes la grande forêt depuis le sud-est, en te plaçant sur les hauteurs, la vue devrait ressembler un peu peu ou prou à ça. Donc, si tu observes la grande forêt depuis le sud-est... D'ailleurs, j'ai entendu dire que les hauteurs au nord du relais de la forêt... J'ai entendu dire que depuis les hauteurs du nord du relais de la forêt, la vue est tout bonnement magnifique. Ce relais se trouve tout au sud d'ici.
Désolé, je peux pas être plus précis que ça. Ouais, c'est là. Ouais, voilà. Donc en gros, elle est par là, la vue, quoi. Genre, on va mettre un marqueur là. A priori. Hein. Non mais, sale bait. Bon, par contre, je suis un peu embêté. Dans cette histoire. Parce que, a priori, j'ai pas de quoi me faire des remèdes Ignifus niveau 2. Donc faudrait que je passe à la chasse aux insectes. Le problème c'est qu'ils sont où? Ça c'est un lézard. Ah non! Ah bah non, c'était bon, c'est un papillon. Non. C'est insupportable. C'est bon là. Merci. Ok, le lézard. Voilà. Bah à mon avis, parce que je pense que si je dois mélanger un lézard et un papillon, ça doit sûrement faire un remède niveau 2. J'imagine. On va essayer ça, du coup, avant de s'arrêter. Et ah ouais mais... Sauf que en fait j'ai pas de... Ah, attendez. Ouais. Donc là il y a un sanctuaire plus proche a priori. On va faire le sanctuaire des Gorons avant, finalement. Tant pis, la vidéo prend encore plus d'une heure mais... On va s'arrêter peut-être devant le sanctuaire. On va s'arrêter devant le sanctuaire. Très bien. Squeak squeak. C'est pas grave si on utilise toute l'endurance hein, là. Là on joue un stade ou c'est pas grave. Ah oui bah. Ah, il est où le sanctuaire là? Je vois pas. Voilà. Bah écoutez, je pense que je profiterai des 5 minutes qui me restent au niveau de mon remède pour essayer de chasser les différents petits animaux genre. Enfin genre les papillons et les lézards. Peut-être pas. Mais on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Yes. Faudra peut-être que je refasse de la cuisine. Donc peut-être que... Ouais. Non mais ça je pense que je le ferai au début du prochain épisode. On testera du coup si les remèdes papillon plus lézard, ça donne quelque chose de bien. On va espérer parce que si c'est pas le cas... ça va être compliqué. Ça va être très compliqué si c'est pas le cas. Bref, en attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.